Salut! Dans cette vidéo, on va faire la pâte à modeler maison. C'est très facile, économique et ben, si on la mange, ben, pas trop bonne mais pas trop grave. Voilà nos ingrédients et maintenant on commence. On va rajouter les colorants à l'eau avant de l'ajouter aux ingrédients secs parce qu'on obtient une couleur plus uniforme. Casserole hors du feu, on mélange les éléments secs. Et puis, on verse l'huile. Il ne faut pas être pressé et préparer un mélange bien lisse. C'est beau mon rose et n'oubliez pas que les couleurs, après cuisson, ils sont un peu plus intenses. Les mélanges les lisses et on commence à les faire cuire à feu doux. Alors notre mélange, il doit cuire jusqu'à ce qu'il forme une boule qui se détache des parois de la casserole. Et là, ben, c'est terminé. On peut les mettre dans du papier four et dans un contenant en verre au frigo. Ben, surtout, il ne faut pas jouer tout de suite, il faut attendre une petite demi-journée. Après quelques minutes de cuisson, voilà notre pâte à modeler qui commence à se former. Préparer à côté du papier four. Après une demi-journée au frigo, je vais chercher ma pâte à modeler. Si vous voyez que c'est trop humide, vous pouvez changer les papiers de cuisson et la laisser encore au frigo. C'est ce que je vais faire. Comme vous voyez, elle n'est pas du tout collante. Et voilà, encore quelques heures au frigo et puis on pourra jouer. Ben, merci beaucoup et à bientôt avec Roby. Ciao!